On va encadrer x carré en diverses situations. Première situation, quand x est compris entre 2 et 5. X est compris entre 2 et 5. 2 carré, ça fait 4. 5 au carré, ça fait 25. Donc, quand x parcourt cet intervalle, x carré parcourt cet intervalle x carré compris entre 4 et 25. Petit b, moins 7 inférieur à x inférieur à moins 1. Ah, ça se passe de l'autre côté. Ça se passe de l'autre côté. Petit dessin de la parabole. Moins 7 jusqu'à moins 1. Moins 7 au carré. 49, moins 1 au carré, 1. Quand x se balade entre moins 7 et moins 1, qu'est-ce qui se passe avec x carré? Il se balade entre 1 et 49. X carré se balade entre 1 et 49. Évidemment. Petit c, x entre 0 et 3. Fastoche entre 0 et 3. X se balade 0 et 3, alors c'est combien 3 au carré? 3 au carré, ça fait 9. X carré se balade entre 0 et 9. Bon, bien sûr, c'est pas à l'échelle 1, 9, 49, mais un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Un peu d'indulgence, je ne suis pas jugé bras, moi. Parcourt l'intervalle de moins 2 à 0 ou de 0 à 3. Ça nous fait beaucoup de bougeotte pour ce x. De moins 2 jusqu'à 0, donc ici, et de 0 à 3. Est-ce que 0 est inclus? Non, 0 n'est pas inclus. Faisons gaffe. De 0 à 3. Et 3 n'est pas inclus. Par contre, moins 2, il est inclus. Alors, c'est fastoche. Moins 2 carré, ça nous fait 4. Donc, regardez ce qui se passe. Attention, quand x va de là jusque là, les valeurs de x carré décroissent de 4 à 0. Donc, x carré, c'est entre 0 et 4. Attention, le 0 est exclu, mais le 4, il est inclus. Et après, x se balade de 0 à 3. 3 au carré, ça fait 9. Désolé, hein? 9. D'accord? Donc, x carré, c'est entre 0 et 9. 9 exclu, parce que x n'est pas égal à 3. Conclusion, quelles sont les valeurs au total? Au total. Au total, donc de 0 jusqu'à 4, sans 0, ou de 0 jusqu'à 9, sans 9. Au total, quelle balade a fait x carré? De 0 jusqu'à... au total. Autrement dit, la réunion de ces deux balades. Il s'est baladé de 0 à 4 et de 0 à 9. Au total, il s'est baladé de 0 à 9. Mais attention, il n'a jamais été égal à 0. C'est un exercice pas si facile que ça.